Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Comment obtenir le résultat qui est sous vos yeux pour réaliser ce bouclier? C'est tout ce qu'on va voir dans ce tutoriel avec la description de chacune des étapes, les couleurs ainsi que le matériel utilisé. On démarre avec la base qui est du turquoise. Comme vous pouvez le constater, j'ai sous-couché le bouclier simplement en blanc, sans faire de pré-ombrage, tout simplement neutre, du fait que les couleurs sont très claires sur le dessus, donc du bleu, donc la couleur turquoise que je suis en train d'appliquer, et par la suite du blanc pour dessiner le dragon. Une fois que vous avez identifié le symbole, le dessin que vous voulez réaliser sur votre bouclier, moi j'utilise un crayon AK. Dans plusieurs tutoriaux, je montre comment utiliser ces crayons. Je crois que j'avais fait le casque d'un buste du Vietnam pour faire les patterns. Donc je dessine l'esquisse à main levée avant de poursuivre. L'avantage que je trouve par l'utilisation de ces crayons, c'est qu'on peut effacer. C'est soluble à l'eau, donc on peut effacer pour corriger. Ou par la suite, une fois qu'on aura déposé les contours, on va le voir tout à l'heure dans l'avancement de ce tutoriel, après en repassant de l'eau, en fait, l'esquisse va être complètement supprimée. Donc je trouve très pratique, et n'étant pas une star, qu'on peut dire, à main levée, ben voilà, je suis meilleur en dessin dans un premier temps sans risquer, et après j'applique ce qu'on verra, les contours, dans un deuxième temps. L'esquisse est terminée, avec maintenant du white, je viens appliquer les couleurs à l'intérieur. Donc déjà je viens dans un premier temps juste faire confirmer l'esquisse très gentiment, et puis après on verra comment on va remplir.
Donc là, on a bien avancé sur le dessin avec le blanc. Et je vais prendre un pinceau légèrement humide et je vais venir passer sur l'ensemble du dessin pour supprimer le fond qui a été réalisé avec les crayons AK. Voilà, ça se dilue tranquillement et ça s'enlève. Et il ne reste plus que la partie qui a été réalisée à l'acrylique. À ce stade, on a réalisé l'ensemble des opérations pour démarrer le remplissage. Et là, j'utilise du blanc et un pinceau bien fin avec une belle pointe pour travailler. Les contours, pour ça on utilise un pinceau toujours avec une belle pointe, pas trop chargé, et là au niveau de la couleur du black primer. Thank you.
premier ombrage. Là, j'utilise un Dectan. Donc, c'est très léger comme premier ombrage, mais ça permet de positionner au bon endroit le travail à réaliser et surtout de corriger au besoin de nouveau avec du blanc. On va venir compléter avec le second ombrage. Pour ça, j'utilise du Grey Brown. Alors même si le premier ombrage est très subtil, je vous assure qu'on voit bien la différence. Moins sur l'image, désolé, mais on voit bien la différence. Et là, on vient attaquer des compléments avec le second ombrage. Pour revenir travailler les éclaircies, donc le blanc de base, on vient le retravailler à certains endroits et on vient simplement le renforcer. Donc là, un pinceau extrêmement fin, on vient avec la pointe à certains endroits appliquer ces nouveaux éclaircies. Thank you.
On va démarrer l'œil. Pour ça, j'utilise deux couleurs. Du jaune, golden yellow, et puis du rouge, donc plus du red emerald. Et là, l'intérieur de l'œil est rouge, et le reste, le contour, en jaune. Pour la langue, je vais mélanger à 50-50 deux couleurs rouges, deux nuances rouges, du red emerald et puis du pâle. Voilà, donc à 50-50 et je fais l'intérieur de la langue. On va venir y appliquer un certain nombre d'éclaircies, donc directement avec du pale red 100%. Mais vous allez voir que bon, à certains endroits, je vais reprendre le pale red et puis je vais ajouter du blanc. Aussi 50%, 50% pour avoir une tonalité encore plus claire. On vient démarrer les métaux, pour ça la base, assez standard dans mes pratiques on va dire, du gunmetal appliqué au pinceau.
Pour les éclaircies, tout simplement du silver, également appliqué au pinceau, assez fin parce qu'il y a des petits endroits où l'application doit être réalisée, donc un bon pinceau également. Faire ressortir un petit peu tous les volumes, je viens appliquer un petit lavis et là cette fois j'utilise le panel de chez Tamiya, donc c'est une couleur noire. Là vous pouvez y aller sans modération au niveau de la quantité. On va venir compléter les ombrages directement sur la base du bouclier. Pour ça, j'utilise un Prussian Blue et avec une peinture très diluée, 80-20 à peu près, des jus, je viens assombrir certaines zones du bas du bouclier. Ah, si on observe le bouclier, on voit qu'à des endroits il y a des griffures, donc elles sont assez légères. Puis à d'autres endroits où carrément le bouclier, il y a une déchirure, donc on est censé voir le bois. Donc celles de les griffures qui sont légères,
je vais venir avec le Prussian Blue mélangé à du Black Primer 50-50 pour venir faire l'intérieur de celle-ci. À certains endroits, la toile est vraiment déchirée, donc on voit apparaître le bois. Donc là, je viens avec Watered Wood pour directement dans la partie déchirée faire apparaître le bois. On va vieillir tout ça, donc ça on va utiliser des pigments. Donc si vous avez vu le tuto sur la tenue, même principe, donc là je vais utiliser 3 pigments, je vous mets la référence. Et on va travailler sur l'ensemble du bouclier avec ces 3 pigments pour effectuer un vieillissement global qui est aligné avec la tenue.
Comme pour la tenue, on va réaliser des salissures sur le bouclier pour ça des pigments avec un mélange acrylique, un pinceau plat et un cure-dent et on va venir utiliser la technique de projection. On va s'arrêter quelques instants sur le travail réalisé jusqu'à présent. N'oubliez pas, une fois cette étape terminée, de protéger le travail avec du vernis mat. Et par contre, ajouter au pinceau du vernis satiné sur quelques endroits de la partie métallique sur les éclaircies. Il nous reste à réaliser le bois. Comme le bouclier est dans le dos, donc la partie du bois est moins visible, franchement, je ne vais pas mettre beaucoup d'efforts. Par contre, je vous propose une méthode très rapide composée de 4 étapes. On va les parcourir très rapidement. La première, c'est l'application de la couleur de base. Après, on va réaliser un premier éclairci à l'aide d'un brossage. Par-dessus, on va utiliser le wash wood pour faire ressortir complètement les rainures du bois. Et pour terminer, un dernier brossage pour les éclaircies. Voilà, 4 étapes, très rapides, minimum requis, minimum syndical pour le bois quand on ne veut pas mettre trop d'efforts. Voilà ce qu'on obtient avec ces 4 étapes. Franchement, c'est largement satisfaisant à mon goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 4 étapes, simples, rapides, quand on veut faire du bois.
On arrive bientôt au terme de ce tutoriel et je voulais quand même vous présenter une étape importante qui est la fixation. Donc pour ça j'utilise de la cyano et gentiment on va enlever la pièce de son support de travail et on va venir la fixer sur le buste. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque-là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao !